Léna, est-ce que tu as un instant? Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu sais que ce soir, il faut que je sois parti. Il me semble que tu m'en avais déjà parlé. Oui, je t'en avais parlé la semaine dernière. Il faut que j'aille à cette convention de l'agriculture ce week-end. Et donc, si je pars aujourd'hui, j'arrive ce soir à mon hôtel et demain matin, je serai en forme pour aller à cette convention. Ça veut dire que tu vas y aller, tu pars là maintenant? C'est exact. Je vais préparer mes affaires et je vais devoir te laisser. Est-ce que tu penses t'en sortir tout le week-end toute seule ou est-ce que tu as besoin que j'appelle quelqu'un qui vienne ici pour s'occuper de toi? Papa, c'est bon, j'ai 15 ans, je peux m'en sortir toute seule. Je sais bien et je te fais vraiment confiance, mais la dernière fois que je t'ai laissée toute seule, t'as failli cramer la baraque en mettant une pizza au four. Mais papa, il y avait marqué sur la boîte mettre 1 heure, donc j'ai mis 1 heure la pizza au four. C'est tout, mais ne t'inquiète pas, j'ai retenu la leçon et il faut bien que je m'entraîne à rester seule. J'ai 15 ans, j'aurai bientôt 18 ans et il va falloir que je sache m'occuper de moi-même. Tu as raison sur ce point-là, mais j'aimerais quand même retrouver la maison intacte à mon retour. Quoi, tu préfères avoir une maison intacte que ta vie intacte? Revois tes priorités, papa, voyons. Mais je plaisante, bien évidemment. Je te fais confiance et je veux bien te laisser seule, mais tu n'invites personne, sauf si c'est des copines, ça ne me dérange pas, mais pas de garçons. Papa, tu sais bien que ça ne m'intéresse pas. Et est-ce que je pourrais galoper ou pas ce week-end avec Petit Tonnerre? Non, désolé Léna, mais tu sais, quand tu es toute seule, il vaut mieux pas. On sait jamais qu'il puisse t'arriver quelque chose, que tu tombes à cheval ou quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un au cas où. Bon, d'accord. Est-ce que tu te rappelles toutes les choses que tu dois faire en mon absence, comme arroser les champs, donner à manger aux chevaux, ce genre de choses? Oui, papa, d'ailleurs tu m'as laissé un mot sur le frigo, donc je sais très bien ce qu'il faut faire. Et puis, c'est pas comme si des fois ça t'est pas déjà arrivé que tu sois malade et que je dois m'en occuper. Je sais faire, tu peux y aller la conscience tranquille. D'ailleurs, tu devrais pas déjà y aller? Regarde, le soleil va bientôt se coucher. Tu as raison, ma fille. Je vais préparer mes affaires et je vais y aller. Je t'ai mis quelque chose à manger dans le frigo déjà pour ce soir. Et dans le congélateur, tu as d'autres repas. Tu n'auras qu'à te les réchauffer. Bienvenue dans le Vendrezel Horror Show. Tous les vendredis à 18h sur la chaîne, je te mets au défi de voir la nouvelle vidéo flippante. Si tu arrives au bout de cette vidéo, mets cet emoji dans l'espace commentaire. Mais attention, n'essaye pas de me berner, sinon tu risquerais de le regretter. Bon, il est l'heure pour moi d'y aller, ma chérie. Est-ce que tu es sûre de vouloir rester seule? Oui, papa, mais vas-y, c'est bon. Tu commences à être collant là. Tu sais bien que je vais pouvoir m'en sortir, vas-y. D'accord, je m'en vais. Amuse-toi bien, pas trop de bêtises. Bisous. Mouah! À plus, papa! Tu vas être tout beau aujourd'hui, petit tonnerre. Tu vas voir ton poil soyeux là. Hein? Qui m'appelle? Allô? Oui, papa. Mais oui, tout va bien. Je me suis levée ce matin, hein, très tôt. Je me suis déjà occupée des champs. Je me suis déjà occupée des chevaux. Comme promis, je ne monte pas sur petit tonnerre, mais je suis en train de le brosser. Tout va bien. Et toi, de ton côté, l'hôtel, tout ça? Oh bah excusez-moi, monsieur petit déjeuner au lit. Moi j'ai pas cette chance-là, hein. Même quand t'es à la maison, jamais tu me ramènes le petit déjeuner au lit. Ah non, c'est pas un message subliminal. Attends, tu dis quoi? Ah ouais, il va y avoir une tempête de neige ici à Brookhaven? Mais non, mais moi je pensais que l'hiver était fini. Tu rigoles ou quoi? Ok. Ok, bah t'inquiète pas, je fermerai bien tous les enclos, je fermerai bien tous les rideaux, il n'y a pas de souci, ça va aller. C'est pas comme si c'était la première tempête de neige à Brookhaven, on en a tout le temps, toutes les années.
Oui, ne t'inquiète pas, papa, je vais m'en sortir toute seule, tu n'as pas besoin de rentrer pour ça. Oh, c'est bon, 2-3 petits flocons de neige, ça va pas me tuer, hein. Ok, bah amuse-toi bien à ta convention avec tes vaches et tes cochons, et puis on se dit à plus tard, tu m'appelleras demain. Mais non, m'appelle pas aujourd'hui, tu m'as déjà appelé. Mais t'inquiète pas, ça ira. Ok, bon bah à demain, papounet. Bisous. Oh, c'est bon, hein, je peux m'en sortir toute seule. Un petit tonnerre. J'ai très envie d'aller faire un petit peu... un peu courir avec toi, mais bon. J'ai pas envie après que mon père, après, s'il le découvre, que la voisine, elle lui dise ou quoi, même si la voisine, elle est hyper loin. Mais comme des fois, elle passe, si elle me voit, après, elle va tout balancer à papa. Je suis désolée, petit tonnerre. Il rigolait vraiment pas à la télé. Vraiment, une tempête de neige. On a l'habitude ici à Brookhaven en hiver, mais quand même, des comme ça, c'est assez rare. Je vais quand même fermer les volets, parce que si la grêle elle commence à taper sur les fenêtres et que ça pète une vitre, je vais avoir à voir mon père quand il va rentrer. Tous les volets sont fermés, c'est bon. Là, je suis tranquille, j'ai tout fait ce qu'il fallait que je fasse pour la journée, pour la soirée. On va regarder un petit peu la télévision maintenant, ça va me détendre. C'était quoi ce bruit chelou là? Bon, je sais pas, ça doit être quelqu'un sur la route qui fout le bordel comme d'habitude parce que c'est le week-end et qui est parti se torcher pour aller en boîte de nuit, c'est toujours comme ça. Enfin, pour un samedi soir quand même... quand même bien tard pour que les gens ils soient encore dehors. Je vais peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être eu un accident ou je sais pas. Je ne vois rien. Bon, ça doit être rien de grave. Oh mais c'est quoi ça là-haut? C'est quelqu'un là-haut que je vois. C'est une personne qui a besoin d'aide, qui a vraiment eu un accident. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Mais c'est quoi ça? Vite, vite, ferme la porte. Oh le bordel que c'est, c'était quoi cette chose? On aurait dit un sorte d'épouvantail. Mais c'était quoi? C'est quelqu'un qui a essayé de me faire peur? Mais pourquoi? Je veux dire, il y a personne qui m'en veut? Il faut que j'aille vérifier s'il est toujours là. Je ne vois personne. Il a dû partir. C'était peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui s'est évadé d'un asile psychiatrique ou bien quelqu'un qui a essayé de me faire peur. Quel malade se promènerait dehors en pleine tempête avec un sac sur la tête? Je vais éteindre la lumière, comme ça. Il va croire qu'il y a personne et il reviendra pas ici. J'ai trop peur. Bon, tant pis, je voulais pas appeler mon père, mais je vais l'appeler pour qu'il rentre plus vite. Parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais... Mais je veux pas rester seule. J'ai pas de réseau. Peut-être qu'ici ça marchera. Ah, non, c'est la tempête qui fait ça. C'est la tempête, j'ai aucun réseau, ça veut dire que même si je vais appeler des secours, la police, si ce type revient là, comment je vais faire? Oh non, mon dieu, j'ai vraiment zéro réseau, comment je vais faire? Peut-être dans ma cuisine. Je sais qu'il y a toujours eu un meilleur réseau dans ma cuisine. Toujours rien. Peut-être ici. C'est quoi ce bruit? Oh mon dieu, il revient! Il essaye d'ouvrir la porte! Vite, je vais me cacher dans la salle de bain. Faites que cette
toute chose s'en aille. Elle est rentrée à l'intérieur. Elle est rentrée dans ma maison, je l'entends. Faut que j'arrête, faut que je respire moins fort. Elle s'approche. Il n'y a plus de bruit. Elle est en train de partir, je pense que... Je pense qu'elle pense qu'il n'y a personne ici. J'ai trop peur. Je vais mourir et je vais faire une crise cardiaque, là, c'est obligé. Il faut que j'aille voir la voisine. Il faut que je cours jusqu'à la maison de la voisine, mais elle habite pas à côté. Mais j'ai pas le choix. On sait jamais que cette chose rôde encore dans mon jardin. Et puis, il faut que j'appelle les secours. On sait jamais qu'elle fait du mal à mes chevaux. Je peux pas laisser mes chevaux comme ça. Faut que je prenne mon courage. Et que je parte d'ici. En plus, c'est bon. Je ne l'entends plus. Elle est vraiment partie. Je peux sortir.